15 km au sud de l'équateur, en territoire de Béni, au nord Kivu, Ishango est un petit village qui n'est habité que par des gardes-parcs, agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Ce que les historiens pensent sans confirmer avoir été un grand village du Moyen-Âge est resté aujourd'hui l'ombre de lui-même. Ici, là où nous nous trouvons, c'est là où on parle de l'homme d'Ishango, la tombe de l'homme d'Ishango. Pour arriver à Ishango, si l'on veut atteindre le site par l'ouest, il faut impérativement passer par Kyavinyonge. Mais de l'est, c'est se défalquer de Kasindi, près de la frontière ougandaise, qu'il faut espérer atteindre ce paradis caché. De l'ouest, c'est plus beau. Après avoir humé l'air nullement poussiéreux de la bourgade lacustre de Kyavinyonge, une piste routière serpente le parc des Virunga et vous tire vers beaucoup plus à l'est. Au passage, la belle femme qui vous arbore un sourire hospitalier, c'est une savane herbeuse d'où s'imposent des acacias, ces arbres auxquels les mythes de la région donnent des vertus d'antifoudre. Sur la piste, très bien carrossable, bien qu'en terre battue, des tas de matières fécales d'éléphants vous servent à la fois des policiers de roulage et de panneaux de signalisation pour vous dire qu'attention, éléphants sont passés par ici et sont encore à quelques mètres. Ensuite, après une marche sur 5 km environ, ce qui ne vous impose pas nécessairement une Jeep 4x4, oh, voici qu'apparaît à l'horizon le site d'Ishango. Du haut de la colline s'imposent quelques paillotes. Parmi elles, celle dite de Léopold II. Et pourquoi cela? Parce que, explique un connaisseur, c'est de là qu'aux années 50, le roi belge, en villégiature dans le site, observait les merveilles que Dieu a placées ici. Arrivé à Ishango, vous impose de passer la rivière Kalemba, actuellement appelée Semuliki. Celle qu'on pouvait traverser à pied il y a plus d'un siècle s'est élargie à plus de 300 mètres à la suite de la montée des eaux sur le lac. Conséquence, c'est la pirogue qui vous offre ses luxes d'atteindre l'autre rive. Enfin, Ishango est là, ce site historique à qui le monde doit probablement la calculatrice grâce à l'homme d'Ishango. C'est aussi un site touristique vraiment extraordinaire. Et par là-bas, il y a un autre trou. Là, on avait trouvé des os d'un adulte avec un enfant. Alors, on ne sait pas s'ils étaient enterrés là-bas. Ça, on ne sait pas. Les recherches sont encore. Si la vue panoramique dans cette savane vous offre la belle vue sur la chaîne des monts Mitumba et de ce fait Kyaverimu, bien d'autres merveilles de la nature vous sont offertes à travers Ishango. Disons la rivière Semuliki qui est comme un cordon ombilical qui relie le lac Édouard au lac Albert. Dans cette rivière, il y a des hippopotames, des crocodiles, des poissons. Ça, c'est merveilleux. Et de l'autre côté, il y a une colonie d'oiseaux. Il y a par exemple les aigrettes, il y a le cormoran, les jacanas, les ibis sacrés, il y a les jabirous du Sénégal, il y a les aigles pêcheurs et la famille des dés ici. Et puis cet oiseau-là porte le drapeau belge sur son bec, donc trois couleurs. Bon, il y a des pélicans, il y a des poules d'eau, il y a des ombrettes. Autre chose qui peut émerveiller un visiteur. Donc c'est la savane. Autre chose, c'est la chaîne du mont Mitumba qui abrite notre sous-station qu'on appelle Mochabirimu, là où nous gardons les gorilles. De l'autre côté, à partir d'ici, vous observez les volcans étaient
et actifs. Les Niragongo, les Karisimbi, les Muhavura. À partir d'ici, je peux vous montrer, j'ai dit, en tout cas, ça c'est la partie rwandaise, ça c'est la partie ougandaise. À partir d'ici, vous observez encore quoi les massifs du Moruyonzo. Vous voyez les lacs ici? Ça c'est la rivière Simulik. Avant on l'appelait Kalemba, puisque c'était encore une petite rivière, un ruisseau. On appelait ça Kalemba. Kalemba c'est-à-dire une ficelle. À partir d'ici, avec les mongs d'Indioka, autrement dit les dos du dragon, c'est là où nos anciens ancêtres, à provenaient de l'Ouganda, traversaient par ici. Les ancêtres de quel peuple? Nandé. À ce moment-là, la rivière était encore petite, les femmes traversaient même par là. Les gens passaient entre la rivière et le lac, où est rocher. En 1950, un archéologue belge est venu découvrir le site. Et c'est à cette époque que remontent les dernières études qui ont permis d'établir que la civilisation a vécu à Ishango. Pendant la période coloniale, M. Enzele est chercheur belge avec son équipe archéologique était venu faire la fouille. Alors ici sur place, on avait trouvé un os. Alors cet os-là mesurait 10 cm. Cet os-là, c'est une de phalangite d'un doigt. Cet os-là mesurait 10 cm. Alors comme nous avons trois parties des doigts, cela veut dire qu'un doigt mesurait peut-être 30 cm. Il faut voir la longueur d'une latte. Des pierres taillées ainsi que des tombes retrouvées sur le site ont renforcé la croyance que l'homme dit d'Ishango aurait eu la taille d'un monstre à considérer la taille actuelle de l'espèce humaine. Quand vous comparez par exemple ces doigts-là de 30 cm, à partir de ce doigt-là jusqu'à la coude ici, voyez-vous par exemple la longueur de sa jambe. Alors avec cette taille-là, l'homme d'Ishango, on peut le considérer comme l'homme d'Ishango, autrement dit un monstre d'Ishango. Mais cependant, les vestiges de l'homme d'Ishango sont menacés de disparition. Voilà, depuis 10 ans, le niveau de l'eau est en train de monter et des inondations ont été connues ces dernières années dans les agglomérations lacustres. Ces inondations ont impacté négativement sur le site d'Ishango. La montée des eaux ronge progressivement le site et a déjà emporté les murs de protection construits par les archéologues aux années 50 pour tenter de protéger ce qui restait de l'homme d'Ishango. Selon les estimations, dans les 10 prochaines années, la tombe de l'homme d'Ishango pourrait disparaître et effacer ainsi toutes les traces sur ce qu'il y aurait encore de cet homme resté jusqu'à la presque inoubliable dans l'histoire. Ishango, c'est aussi ce paradis oublié dans un parc menacé par le braconnage et des populations en quête des terres arables. Depuis 1995, le parc national des Virunga a servi de bastion à différents mouvements rebelles. Ce parc, classé patrimoine mondial par l'UNESCO, a longtemps été la proie des groupes armés qui se sont rués sur sa faune et sa flore. Plusieurs espèces animales ont du coup fui cette menace humaine en se réfugiant vers les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Seules quelques espèces, notamment aquatiques, sont encore présentes, mais elles aussi sont sous la menace des braconniers malgré des efforts fournis par différents acteurs pour les protéger. Le groupe d'association des défenses des droits de l'homme et de la paix, GADOP, et son membre Sidip ont mis la main à la pâte. Pour protéger les espèces aquatiques du lac Édouard, ils ont mis en place un comité pour lutter contre la pêche illicite. Constitué des acteurs étatiques et privés, des forces navales des FRDC, de l'ICCN et d'autres organisations locales de la société civile, ce comité a à son actif des résultats encourageants malgré des moyens limités dans son fonctionnement. Depuis 2011, sasa huko kwetu ndio zilikuwa zao vio mingi. Tunataka tena mwanao ipo tuende Goma kutafuta nyingi ya kutusitelele kupiga yale mafundisho. Tukadeproshe arrêté à gouverneur
Ilikuisha kuwa rythme ya watu yote sirtia makoti western yasiyo na huko manyake bakaona mbaya sana. Jiji vile ilikuwa na watu. Kuwasaidia si tukajimalie na kukusandre pamoja paka tufikishe ile operation kumisha. Siku mingi ya kuwa nafika hapa tunadestruire kila siku mabirozi tunadestruire mabirozi. En visite de réconfort, le groupe d'associations de défense des droits de l'homme et de la paix GADOP a rassuré à ses partenaires de ne pas baisser la garde en vue de garantir aux Congolais de cette partie du pays l'un de ses droits socio-économiques et culturels. Kwako uko na besoin que le grand-père aendelee kulima fasi fulani, mais unasahau ya kuwa grand-père yako iko na besoin akule samaki na wajukuu yake bakule samaki. Sasa unakamata mizuri yenye grand-père yako amelima, lakini wajukuu yake hawatakulaka samaki. Nous dirigeons aujourd'hui, nous devons tenir compte de la durabilité de nos actions. Nikamate décision yenye itaendelesha mambo. Pale ndio kuna piège kwa wale wa dirigeants ambao wana soutenir population kuharibu. Toutefois, il y a des raisons d'espérer. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, est en train de former de nouvelles unités de garde de parc. Grâce à la paix retrouvée dans la région, l'ICCN espère relancer l'industrie du tourisme dans cette partie du Nord Kivu, fort de ses ressources touristiques. Mais déjà, l'alpinisme sur le mont Rwenzori a été relancé par une équipe de l'ICCN. Là aussi, c'est le réchauffement climatique qui risque de nous faire perdre la vue sur les neiges, il y a peu estimées éternelles, du mont Rwenzori.